alors petit problème technique hier, j'ai pas pu filmer en train de jointer. Alors du coup, il me reste quelques zones à jointer, on va faire ça ensemble, on va regarder un petit peu la couleur du joint, puisque je trouve qu'ici sur ce chantier, la couleur du joint a été super judicieuse. Regardez un petit peu, on voit pratiquement rien, on voit pas les joints, on dirait que c'est quelque chose de vraiment uniforme. Alors je suis content puisque lorsqu'on dégauchit un petit peu, on voit aucun crochet, aucun décalé, et ça, bah, c'est tout bêtement grâce au petit croisillon autonivelant, puisque bah, écoutez, c'est vrai que lorsqu'on pose des rectifiés, ça sert énormément. Enfin, là-dessus, pour ce type de carreau, honnêtement, sans passer, c'est partir dans un peu plus de difficultés. Je ne dis pas que c'est impossible hein, d'avoir un résultat très 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 bon sans autonivelant. Par contre, eh ben, ça fatigue un peu plus hein, puisque là honnêtement sur toute cette surface là, je crois qu'il y a à peu près 60 mètres carrés, pas loin de 60 mètres carrés, j'ai dû soulever 3 carreaux. Tout le reste, super bien passé. Voilà. Je laisse regarder. Alors là, bah écoutez, le joint que j'utilise, c'est le VPI et c'est celui-ci, hop là, le joint fin premium V650. Et la couleur du joint, c'est Silex. Voilà, je peux faire des largeurs entre 1 et 10 mm. Là, ici, on est sur 2 mm. Et bah, vous voyez hein, le petit écriteau ici, intérieur, sol, mur, extérieur, sol et mur. Alors, il se passe très très bien et il se lisse bah, très très bien. Bon, RAS, rien à signaler sur ce joint-là. Et bah écoutez, c'est parti, quoi. On va jointer. On a pas beaucoup, hein. Il y a 10 mètres carrés, il doit rester 10 mètres carrés à peu près à jointer. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Nettoyer le chantier. Allez, c'est parti, on jointe. Bon, là du coup, on est sur des 60-60, hein. Pas besoin d'en mettre de partout sur le carreau, juste dans les joints. Et c'est parti. Alors par contre il est un peu fin, ce qui fait que je vais quand même bien le laisser bien sécher pour pas qu'il creuse. Alors, des fois lorsqu'on a des joints trop fins, eh ben, il creuse lorsqu'on passe l'éponge. Je vais bien laisser sécher et puis après on va relisser ça tranquillement. Et je vois qu'ici par contre il est un peu creux juste là, vous voyez, il est un petit peu creux là. Hop, voilà, je charge bien, je préfère mieux bien charger parce que là on est sur des rectifiés. Voilà, là, voilà. Voilà, on va le laisser comme ça. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, ça déborde un petit peu, c'est normal. Allez,
En attendant, j'ai fait les périphéries juste là tout le long, vous voyez. Donc j'ai bien comblé. Là ici, je fais bien les périphéries au bord. Voilà. Bon, sur ce chantier-là, c'est pas moi qui m'occupe des plaintes. Hein. Ça va être des plaintes spéciales rénovation, en, vous savez, des plaintes en bois là, un petit peu épaisses qui font un bon centimètre d'épaisseur, qui peuvent rattraper des grosses hauteurs. Et vu qu'après tout l'intérieur là ici va changer, ça va être un intérieur un petit peu cocooning, un peu bois avec un bleu suédois, super joli d'ailleurs. Donc je pense qu'ils vont faire un petit rappel avec les plaintes en bois. Et puis moi, bah, pour l'instant, bah, j'ai encore ça à jointer. Allez, c'est parti! Mais si ce mouvement, il est pas mal, hein, comme ça là. C'est pas mal comme ça. Bon, la zone d'entrée là, elle est jointée, donc on repart du début. Là, ça fait bien un bon quart d'heure que ça. Pardon. Là, ça fait bien un bon quart d'heure que ça a séché. Donc là, je vais commencer, vous voyez, prendre mon éponge et un petit peu glisser. Mais je vais pas essayer de les faire parfait hein, pour l'instant. Je vais vraiment enlever le surplus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, je vais juste bien regarder, enlever le surplus. J'en suis pas encore aux finitions. Vous voyez par exemple ici, vous voyez là, le trou là? Et ben c'est pas bon. On va devoir passer le coup d'éponge comme ça. Bon après, forcément, le petit spatule. Là au moins, eh ben, on ne sera pas embêté pour les plantes.
bon, c'est pas tout, hein. Bon, là, je suis en train de faire le coup propre, mais bon, il y avait ma grande règle, j'allais la descendre. Je me dis, bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va vérifier la planéité ensemble. Donc, je récapitule, il y a eu de la démolition, il y a eu du rayage fibré, pose de natte d'ITRA 25 et des 60-60 rectifiés. Voilà, sur une règle de 2,50 m, ce que ça donne. Bah, je peux vous dire, il n'y a pas un flash. Pas un flash en diagonale ici. Pas un flash dans ce sens-là. Non plus par là. Il n'y a aucun flash, aucun. Et là, suite à la défaut de la cloison, qu'est-ce que ça donne ? Bah regardez, hein. Aucun flash. Bon, à quoi c'est dû ? Première chose, c'est que j'ai vraiment repéré les gros défauts du support juste avant. C'est-à-dire que j'ai posé ma règle dans tous les sens pour voir là où c'était trop haut, là où c'était trop bas. Par contre, c'est vrai que si vous faites un réglage avec des bosses, bah là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, bon, bah, c'est principalement dû au ragréage qui a été bien fait. Ensuite, la natte qui a été bien marouflée. Et puis ensuite, hein, alors sur ce chantier-là, j'ai décidé de peigner à 12 mm et non pas à 10. Alors pourquoi ? Bah, déjà pour bien favoriser l'accroche de la colle, hein, parce que sur une Ditra 25, c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus compliqué. Et je voulais vraiment avoir une bonne charge en colle, hein, sur cette pose-ci. Donc j'ai décidé de faire avec du 12 mm, à savoir que vous pouvez poser des 60-60 avec du 10 mm, 8 mm, vous ne serez pas dans les normes. Alors vous savez comment faisaient les anciens pour vérifier s'il y avait des crochets ? Une petite balle, et à chaque fois que la balle saute, à refaire. Voilà, on vient d'ouvrir. Hop, regardez comme ça commence à bien sécher ici. On voit encore les quelques traces là. Mais là, regardez comme le carreau il est. Bah, il est tout propre. Tout propre. Alors, on va bien laisser le courant d'air agir. Et puis, il n'y a pas grand chose à mettre au camion, donc ça va. Et le chantier, bah, il sera fini, regardez. Voilà, je vous rappelle que toutes les plaintes qui sont là, c'est pas moi qui m'en occupe. D'accord, ça va être des plaintes en bois. Par contre, toutes les périphéries ont été faites. Hein. Vous voyez, on ne voit aucune jonction vide entre la cloison et mon carrelage. Il faut savoir que ça, c'est un joint souple, hein, pour support déformable. C'est fait pour les terrasses extérieures, les piscines, etc. Et il fallait qu'il y ait un corbeau qui part en même temps. Ah ! Et puis, c'est pas fini, parce que regardez. Ici, c'est la salle de bain et ça va être refait, mais bien plus tard, pas tout de suite. Donc pour l'instant, je me suis arrêté ici, là, à mi-feuillure, entre la porte. En fait, ici, on va avoir forcément le décalage de ce carreau-là. Ensuite, ce sera comblé par une baguette. Et bah là, ce qu'on va poser, hop, c'est ce type de baguette-là, une baguette de transition. Ça permet d'être temporaire puisque c'est collé des deux côtés, vous voyez. Et au moins, bah, ça permettra d'éviter d'avoir trop de butée ici. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué, regardez, on va juste enlever le petit scotch ici.
Voilà. On va la mettre du bon sens. Dans le bon sens. Et on va la mettre comme ça. Vous avez le code promo CaroTuto sur le site eCarleur. Allez-y, foncez si vous avez besoin d'outillage. Donc vous allez sur eCarleur, vous mettez le code promo CaroTuto et vous avez moins 10% sur votre commande. Je vous mets en description de vidéo les liens sur le site carotuto.fr pour avoir des informations sur des articles, sur des vidéos qui sont redécrites. Il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus pour vous donner du contenu. Et puis aussi, si vous aimez les t-shirts CaroTuto, allez-y, foncez, je vous mets le lien de la boutique. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, surtout, prenez soin de vous.